Ça va être ça. Bob, c'est Bob. Qui c'est qui a dit ça? Tu es avec Koivu, tu sais, à l'entraînement d'hier. Bob, c'est Bob qui dit au journaliste. Il dit Bob, c'est Bob. Ben, tu te trompes pas. C'est sûr que c'est Bob, Bob. Quand tu vois que c'est Bob, c'est parce que c'est Bob. Qui est Bob à part Bob? C'est pas Bob, c'est pas Bob. Qui est Bob si c'est pas Bob? Pas Bob. Quand tu vois Bob, c'est Bob. C'est pas l'autre que Bob. Celui que c'est Bob, c'est Bob, sinon Bob. Bob, c'est Bob. C'est sûr, Bob, c'est Bob, c'est Bob. Fait qu'il est Bob. Pour contester l'exactitude de la déclaration, tu dis Bob, c'est Bob. C'est sûr, pas de tromper. C'est sûr, il avait dit Bob, c'est Gilles. Ou bien Bob, c'est pas Bob. Ou bien Bob, c'est le bouchon du réservoir de la balayeuse à vapeur de boutique TVA. Non, il a dit Bob, c'est Bob. C'est exactement ce qui est Bob, Bob. Mais là, Bob, ok, soit Bob. Mais c'est pas tout d'être Bob parce que t'es Bob. C'est pas que ça fait d'être Bob, Bob. Ok, Bob, c'est Bob. En plus d'être Bob, c'est qu'il faut que ça fasse Bob. Fait que c'est Siri à cette heure, Bob. Allô? Salut Raymond. Bienvenue mon gars. Je suis d'accord avec toi que Bob c'est Bob. Ah, c'est très Bob, Bob. Mais là c'est Carbo qui a dû pleurer à chaudes larmes. Oui monsieur, c'est pas bon pour l'environnement. Non. Ça dégage du monoxyde de Carbo. Ça me fait de la peine, mais... Ah, moi aussi. Parce qu'il fallait faire un mouvement parce que... Paraît-il, oui, paraît-il. T'es pas faire les séries quand tu fêtes ton centenaire, là. Ça casse le party pas mal. C'est ça, là. Comme un anniversaire, t'arrives avec le gâteau qui s'enchandelle dessus, l'échappatelle, feu pogne les rideaux, 12 morts, 8 blessés, un pompier disparu, puis TSX qui baisse de 7000 points. C'est vraiment terrible fêter notre centième puis pas faire les séries. Ah, ça vois-tu, pas tout le monde est d'accord avec ça. Je reçois un courriel ici d'une madame Paquette qui nous dit ouais. Bonjour Raymond, je vais être centenaire moi aussi cette année et je ne ferai probablement pas les séries. Ouais. D'ailleurs, j'ai vérifié sur Internet, je suis même pas dans le classement de la Ligue nationale. Mais... Ma question est, puis après? Oui, mais... Bon d'accord, là tu vas me dire que tu imagines mal Pierrot dire ouais. Il y aura pénalité à Mme Paquette pour marcher élevé. Ben c'est ça. Là. C'est quand même un point de vue. Mais le coach, là, c'est si important que ça. Ben là. Je veux dire, ces joueurs qui jouent quand même serait Sœur Angèle, coacherait le Canadien. Oui, là, serait bonne parce qu'elle connaît ça, c'est la cousine de hein? Kings de Los Angeles. Ouais, en tout cas, Carbonneau, ils l'ont mis dehors. Puis... Ben, c'est ça. On peut plus rien faire, il est dehors. Donc, il est pas tout seul. L'île du Prince est dehors. En tout cas, je trouve pas ça correct, moi, de dire qu'il a pas livré à marchandises. Là, je suis d'accord sur ce point-là, mon chum. Hein? Ça enlève toute chance de trouver un job de livreur. Premièrement. C'est quoi, dit mon chum, Bob, c'est Bob, mais Bob, pas Bob. Ouais. Faut que les joueurs transpirent. C'est sûr. Quoi, demande pas Jean-Pierre Ferland d'aller le chanter Une chance conçue. Il pourrait. Bonne journée. 2 minutes, les 2 minutes du peuple.